Passion partagée dans mon garage entré, bienvenue à ma scène country. Mesdames et messieurs, bienvenue à ma scène country spéciale jour de l'an. Tout d'abord, remercions nos fiers partenaires Long & McQuaid, les roulottes Lupien, Motel et Brasserie Victo, les vêtements Gats, les petits plats de Fanny et les produits Probert. Et sur ce, mes chers amis, que la fête commence! Mesdames et messieurs, bienvenue à ma scène country. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour le spécial du jour de l'an et du temps des fêtes. Et avec un grand bonheur aujourd'hui, je reçois un ami à moi, mon ami Denis Côté, un des meilleurs accordéonistes au Québec, sinon le meilleur. Et ça va être un grand plaisir de passer un beau bout de notre soirée du jour de l'an avec lui. Merci beaucoup, mon Christian, t'es bien gentil. Et je pense que je fais ta première émission à bord de ça, hein? Alors, je vous souhaite bon succès, les gars. Vous êtes bons. Et là, c'est dans le temps du jour de l'an, puis on y va avec le Robert Dallet! La vraie chanson du temps des fêtes. Tout le monde chante ça. Non, non, c'est pas le petit oiseau, là. Il y en a, hein, qui pense c'est le petit oiseau. Non, non. Ça va être la poule à colère. 2, 3, 4. Collé à une poule qui pend tous les matins. Collé à une poule qui pend tous les matins. Elle a pris sa volée dans la cour à Martin. Tu n'attends pas et mon lalé, tu n'attends pas et mon latin. Tu n'entends pas mon lalé, tu n'entends pas mon latin. Elle a pris sa volée dans la cour à Martin. Elle a pris sa volée dans la cour à Martin. Martin a pris sa bouche, lui a caché les reins. Tu n'attends pas et mon lalé, tu n'attends pas et mon latin. Tu n'entends pas mon lalé, tu n'entends pas mon latin. Martin a pris sa fauche, lui a cassé les reins. Martin a pris sa fauche, lui a cassé les reins. Il a fait une bonne sauce pour le dimanche matin. Tu n'attends pas et mon lalé, tu n'attends pas et mon latin. Tu n'entends pas mon lalé, tu n'entends pas mon latin. Il a fait une bonne sauce pour le dimanche matin. Il a fait une bonne sauce pour le dimanche matin. Le jury de la paroisse est venu tremper son pain. Tu n'attends pas, et mon lalé, tu n'attends pas, et mon latin. Puis là, maintenant, on va changer tout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On s'en va faire un tour dans le poulailler. À vous remarquer, ça a resté pas mal d'un poule, là. Tantôt, c'est la poule de Colin, là, ça va être le chicken reel. Alors, tout le monde, on se met les mains, le bon, là, puis on brasse ça. Attention! 2, 3, 4. Mon beau Denis, la deuxième chanson que tu vas nous interpréter, ça parle d'oiseaux, hein? Ah, moi, j'aime ça, j'adore les oiseaux, hein? J'aime les oiseaux, moi, je suis un gars d'oiseaux coton. Ça fait que là, on va faire une toune que tout le monde connaît, que ça s'appelle Un petit oiseau, puis c'est un peu pourri.
Et puis après ça, bon, on va aller prendre un petit verre de bière. Vu que c'est le temps des fêtes, hein? Alors, c'est en plein la période de prendre un petit coup, c'est agréable, hein? Alors, puis toi, mon Christian, comment ça va pour ça? La santé? Excellente. Oui? Hey, t'as une petite bonne émission. Merci beaucoup, mon ami. Félicitations, hein? J'espère que tout le monde va écouter ça à la maison. Ça va se parler, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh, yes, yes. Même quand je suis arrivé tantôt, j'ai parlé de ça. Ils ont dit oui, il va y avoir une nouvelle émission. J'étais à Victoriaville. Vous êtes chanceux dans le coin. Et puis là, moi, il va avec... C'était un petit oiseau. 2, 3, 4. C'était un petit oiseau qui a de la plume, qui a de la plume. C'est un petit oiseau qui a de la plume partout sur le dos. Mon père m'a donné un petit chien, fait tout comme vous, parlez comme vous. Mon frère pense que c'était vous, il fallait ouf, ouf, parlez comme vous. C'était un petit oiseau qui a de la plume, qui a de la plume. C'était un petit oiseau qui a de la plume partout sur le dos. Mon père m'a donné une petite poule, tout comme vous, parlez comme vous. Mon frère pense que c'était vous, elle faisait coq coq. C'était un petit oiseau qui a de la plume, qui a de la plume. C'était un petit oiseau qui a de la plume par-dessus le dos. Mon père m'a donné un cochon, tout comme vous, parlez comme vous. Mon père pense que c'était vous, il faisait parlez comme vous. C'était un petit oiseau qui a de la plume, qui a de la plume. C'était un petit oiseau qui a de la plume par-dessus le cou. Voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment Denis Côté a des, qu'il y a des suites dans les idées? Là, je vais vous faire l'oiseau, mais celui-là, c'est encore, c'est l'oiseau moqueur! Un festin de campagne, on invite tous nos amis, puis les cousins de ma femme. Et moi, je chantais de la wanderie, bon, bon, du fun, y en avait pour tout le monde, y en avait pour tout le monde, ouais. On décore les tables avec des fleurs de pissenlit puis des cotons de loup-barbe. Et moi, je chantais tout le monde criait hip, pam, pam, du fun, y en avait pour tout le monde, y en avait pour tout le monde. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière avec trou. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons, je te chante des belles chansons. Donne-moi un don. La vie est affreuse, remplie de chagrin. Pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière avec trou. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons, je te chante des belles chansons. Donne-moi un don. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que dans le temps des fêtes, c'est une période où que le monde danse. Et
dans le temps des fêtes, il y a une danse qui est très populaire partout au Québec. Et ça s'appelle la Bill Barrel Polka.
Mesdames et messieurs, Denis Côté. Denis Côté. Salut, bien, ça va très bien. Je vais nous faire une petite chanson qui ça s'appelle La Balloune. Ah oui, parce que j'ai pris un verre de trop. T'as pris un verre de trop? Je sais pas si Nero qui t'inquiète pas, ça. Oh, puis Dani aussi, moi, Dani, moi, ça fait, oui. Et Bruno, tu vas bien, toi, Bruno? C'est bon, Denis. Puis Bruno, les gars, j'ai l'air pas trop. Christian, toi, t'en prends pas partout. Hein, t'en prends plus, t'es d'un A, je sais pas quoi. Où j'ai arrêté. Mais j'ai envie de vous faire la balloune, alors, attention. OK? Depuis quelques années, la vie a bien changé. Quand on veut prendre un verre, il faut faire attention. La gardienne pour les enfants, puis le chauffeur privé. T'es plus certain comme ça de revenir à la maison. J'ai pris un verre de trop. Et j'ai pris deux verres de trop. J'peux pas chauffer mon char, laissez-moi pas dehors, parce que j'ai pris un verre de trop. Y'en a qui prennent un verre à toutes les fins de semaine. Ça commence à coûter cher pour être de bonne humeur. Un verre, deux verres, trois verres, puis rendu au sixième. Ben non, j'suis bien correct, puis c'est là le thé dans l'air. J'ai pris un verre de trop. J'ai pris deux verres de trop. Mon char, les rouges et tu quittes pas parce que j'ai pris un verre de trop. Si la police vous arrête en revenant aux petites heures, on vous demande toujours, avez-vous pris un verre? Ça serait bien embêtant de vous dire le contraire. Voyez-vous, monsieur l'agent, je suis pas un vrai menteur. J'ai pris un verre de l'eau. Pas chauffer mon char, les rouges et tu quittes pas parce que j'ai pris un verre de trop. J'ai pris un verre de l'eau. Pas chauffer mon char, les rouges et tu quittes pas parce que j'ai pris un verre de trop. Mon ami Denis, on a un ami en commun. Oui. Oscar Tifo. Ah oui, oui. Et puis, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, je ne sais pas si tu te rappelles de Roland Provencher, qui jouait de la guitare avec Oscar. Ben oui. C'est lui qui m'a donné ma première chance dans le temps au petit bar country sur le chemin de Saint-Valère. Sûrement que tu as fait quelques prestations-là. Pépito Bar. Le Pépito, il était ici. Lui. Le petit bar country à Roland, lui, il était sur le chemin en montant vers Saint-Valère. Oui. C'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Oui. C'était Roland qui était propriétaire. Ben oui, je me souviens de ça en Moutadi. Puis Oscar, à la Gouéla, de la guitare hawaïenne, il appelait ça de la guitare, pas de la style, il appelait ça de la guitare hawaïenne. Moi, Oscar Tifo, c'était un de mes grands, grands, grands amis. J'ai jamais vu ce gars-là. Oscar Tifo, les gens de Victoriaville l'ont tout connu. C'était son endroit, il est décédé ici, à Saint-Albert, pas loin d'ici, hein. Un gars positif comme ça, moi, j'ai jamais vu ça. J'allais là rire avec Roland. Puis moi, j'ai fait des tournées avec eux autres. Le fun que ces deux gars-là avaient ensemble, là, c'était épouvantable. Puis il y a Bidou, Serge Allaire, qui m'a composé une chanson, justement, pour rendre hommage à notre ami Oscar Tifo. Je suis sûr qu'il nous entend là-haut. Mon ami Oscar! Mon ami Oscar, qui chante dans les bars. Et vous ne plus pantoute, c'est une chanson au bout. Oui, mon ami Oscar se couche toujours très tard. À la fin du spectacle, on prend un petit verre de bord. À la
fait du spectacle en plein hiver dehors. Le pont de Trois-Rivières, y a bûché pour la voile. À force de le chanter, ça s'est réalisé. Prenons exemple sur lui et chantons avec lui. Tout comme Tigui Lafleur, un score a fait fureur. Avec son ami Roland, qui chantait si souvent, la guitare, le violon, étaient leurs compagnons. Toujours ils sont restés fidèles à l'amitié. On devrait faire comme eux, à nous de se réveiller. Tout comme Maurice Richard, c'est lui qu'on aime encore. Il a pas son aréna, mais un jour ça viendra. Un temple du country, je vous dis, sera nommé. Ça sera écrit en gros, merci monsieur Tifo. Il chante les parcs aux bêtes, c'est lui l'avoir le maître. Un autre vieux auteur de notre langue française. Il a ouvert la trace à tous ceux de sa race. C'est ma chanson à moi, pour lui je l'ai chantée. C'est ma chanson à moi, pour lui je l'ai chantée. Mon ami Oscar, qui chante dans les bords, il brouille depuis partout, c'est une chanson au bout. Oui, mon ami Oscar, se couche toujours très tard. À la fin du spectacle, on prend un petit verre de fort. À la fin du spectacle, on prend un petit verre. Salut mon Oscar, salut Oscar. Tu fais de la tournée un petit peu partout à travers le Québec. T'en as vu des épinettes, hein? Oui, j'en ai vu des épinettes. Tu sais, quand on se promène, on fait tout le Québec, surtout quand on traverse les parcs, hein? Par exemple, si tu t'en vas en Abitibi, t'es assis dans le camion de tournée, puis tu regardes par la fenêtre, tout ce que tu vois à travers la fenêtre, quand tu t'en vas, c'est des épinettes, des épinettes, des épinettes. Un lac. Des épinettes, des épinettes, des épinettes, un lac. Alors, de là, la chanson des épinettes. Et puis, on va se la faire. Tout ce que tu auras à chanter, Christian, c'est... Un lac. Un lac. Facile de même. Il a reconnu sa belle ginette en chattant sur Internet quand il a cliqué sa petite photo. Son cœur est tombé en morceaux. À l'inviter prendre un café, question de flirter. Dernier email, le cauchemar. La côte nord, c'est beau, mais c'est loin.
des épinards, des épinards, des épinards, des épinards, des épinards. Oh, c'est un sac des épinards, des épinards, des épinards. Hey, des panards. Bien installé sur le traversé, premier devant, les yeux fermés, les bras ouverts, l'âme poétique, pareil comme dans Titanic. Tellement on est quelques plus tard, il a perdu son chemin. 5 heures de route, 32 détours, tout se ramasser aux escoumets. C'est beau, mais c'est loin. Des épinards, des épinards, des épinards, des épinards, des épinards. Oh, c'est un sac, des épinards, des épinards, des épinards. Un dépanneur, 24 heures. Célibataire à la recherche d'un mâle, cherche un orignal qui attend le call. Devant son écran, crie en espérant 4 ans vers le courant. À part à son amant, avec ben du panache, allez, Christian! C'est une drôle d'histoire d'amour, ben du millage, ben des détours. Il a finalement trouvé 20 000 au nord de Port-Cartier. Sur l'autoroute électronique, il y a ben des petits comiques du réalité.com. Sa belle Ginette était un homme. Des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes. Oh, c'est un sac des épinettes, des épinettes, des épinettes. Des panards, 24 heures. Allez, des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes. Oh, c'est un sac des épinettes, des épinettes, des épinettes. Des panards, 24 heures. Des épinards, des épinards, des épinards, des épinards, des épinards. Pensez à vous, des épinards, des épinards, des épinards. Des panards, 24 heures. Des épinards, des épinards, des épinards, des épinards, des épinards. Pensez à vous, des épinards, des épinards, des épinards. Des panards, 24 heures. 24 heures de route là. www.petitpointpoint.com. Hey, merci Christian d'avoir pensé à moi pour le décor des épinettes avec tes deux beaux petits sapins. Je suis touché, j'ai larmes à l'œil. Merci. Je vous amène dans un univers tout spécial, un beau duo de violon où les îles de la Madeleine vont rencontrer le centre du Québec. Deux gars talentueux au violon, Danny Deraspe et Alain François, qui nous amènent faire une petite ride de train, mesdames et messieurs. Thank you.
Alain, la prochaine chanson que tu nous présentes s'appelle La Clôture. C'est un fait vécu. Vécu? Ouais. Mais par lui. Ah. La Clôture. 1, 2, 3, 4. J'ai perdu ma télé. J'ai plus de futon, plus d'assiette, plus de chevron. J'ai perdu mes clés, j'ai plus de maison, plus de tondeuse à gazon. J'ai perdu mon char, j'ai plus de grippin, j'ai plus de réveil matin. J'ai perdu le nord, j'ai plus mon chien pour me montrer mon chemin. J'ai plus mes chums pour aller pêcher, plus de mon frère pour déménager, plus de grande sœur pour me consoler, plus d'enfants à baisser. J'ai sauté la clôture, depuis les temps sont durs. J'ai perdu la tête, le temps d'une conquête, ma femme le sut. J'ai sauté la clôture, depuis les temps sont durs. J'ai perdu la tête, le temps d'une conquête, depuis je suis dans le. Qui veut m'engager, y'a plus de banquier qui veut me prêter, y'a plus de barman qui veut me créditer, j'ai plus une scène, je suis lavé, j'ai perdu 20 kilos, j'ai plus d'appétit, plus d'amour, plus d'amis, j'ai perdu mes flots, j'ai plus d'outils, plus de femmes dans mon lit. Pour qui souhaitait que cette chanson se termine de belle façon, j'suis désolé mes chers amis, l'histoire est finie. Tant pis pour lui. J'ai sauté la clôture, depuis les temps sont durs. J'ai perdu la tête, le temps d'une conquête, ma femme l'a su. J'ai sauté la clôture, depuis les temps sont durs. J'ai perdu la tête, le temps d'une conquête, depuis je suis dans la rue. J'ai perdu la tête, le temps d'une conquête, puis je suis dans la rue. J'ai perdu la tête, le temps d'une conquête, depuis je suis dans la rue. Yep, 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 yep! C'est fini! Non, Alain, c'est fini! Comme vous avez pu le constater tout au long de l'émission, je vous présente un gars de la région, un gars de talent, un gars qui a réussi à percer à travers tout le Québec avec sa belle énergie et son talent incroyable, mesdames et messieurs, Alain-François Lamontagne. Merci, Christian! C'est le jour de l'an. Ça, c'est une chanson qu'on chante à tous les jours de l'an dans ma famille. On est en famille, c'est le jour de l'an, on va se la chanter. OK? Ça va comme ça. Mon père aussi, ma mère, n'avait que moi d'enfant. Mon père aussi, ma mère, n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant, la destinée, la rose au bois. N'avait que moi d'enfant, n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant, n'avait que moi d'enfant. Il voit à l'école. À l'école du rang, il m'envoie à l'école du rang. À l'école du rang, la destinée, la rose au bois. À l'école du rang, à l'école du rang, à l'école du rang, à l'école du rang. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. D'embrasser les garçons, la destinée, la rose au bois. D'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons. Hey! C'est l'affaire des filles de pallier la maison. Hey, c'est l'affaire des filles de pallier la maison. De pallier la maison, la destinée, la rose au bois. De pallier la maison, de pallier la maison.
garçons y vont. Dans la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Ils entrent 4 par 4 en frappant du talon. Ils entrent 4 par 4 en frappant du talon. En frappant du talon, la destinée, la rose au bois. En frappant du talon, en frappant du talon. En frappant du talon, en frappant du talon. C'est comme ça que ça se passe, du moins dans nos cantons. C'est comme ça que ça se passe, du moins dans nos cantons. Du moins dans nos cantons, la destinée, la rose au bois. Du moins dans nos cantons, du moins dans nos cantons. Du moins dans nos cantons, du moins dans nos cantons. Du moins dans nos cantons, du moins dans nos cantons. Du moins dans nos cantons, du moins dans nos cantons. Vous avez pu le constater, je reçois sur l'émission aujourd'hui deux personnes qui travaillent dans le folklore et de façon différente. Et ça va être un grand honneur de les avoir toutes les deux ensemble. Le vieux puis le jeune. Le vieux puis le jeune, sans t'insulter, mon Denis. Folkloriste traditionnel, folkloriste populaire. Ces deux machines, Alain François, Denis Côté. Un gros merci d'avoir été parmi nous à cette belle émission du jour de l'an avec des artistes incroyables. J'aimerais en profiter pour remercier nos fiers commanditaires. Long & McQuaid, les Roulottes Lipiens, Brasserie Victo, les Petits Plots de Fanny, le motel Resto Bar Le Central, l'Auberge La Forteresse, les produits Probert, les vêtements de travail Gats, le Bar Tabou et aussi un gros merci à toute l'équipe de TVCBF de nous avoir fait confiance pour cette belle série d'émissions-là. Et on vous dit à la prochaine!